Salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est 56. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je réponds à vos questions parce qu'il y a une semaine de ça, j'ai fait une vidéo. Même plus une semaine de ça, une semaine et quelques jours. J'ai fait une vidéo, posez-moi vos questions pour essayer de savoir. Oui, parce que je voulais faire une FAQ pour essayer de 100 abonnés. Je n'ai pas tout le temps de FAQ, mais je pense que la prochaine FAQ, ce sera aux 1000 abonnés. Du coup, j'ai eu pas beaucoup de questions, j'en ai eu 9. J'ai essayé sur Insta, j'ai eu la même personne qui m'a posé la même question. Du coup, j'ai eu que 9 questions, mais je vais quand même y répondre. Je m'attendais à une dizaine ou voire une vingtaine de questions, mais pas grave. Du coup, on commence par Ocelia 29. Comment as-tu connu l'ETSA? Disons que l'ETSA, c'est lui qui est venu vers moi parce que quand j'avais mon ancienne chaîne Le Breton du 56, il marquait des commentaires du genre « Veux-tu venir chez moi ?» Et moi, je répondais « J'ai ma page Facebook. Veux-tu venir chez moi ?» Presque à toutes les vidéos, ou sinon il y a une vidéo, il a marqué « Veux-tu venir chez moi, s'il te plaît ?» Alors que je ne le connaissais pas, tu vois. Mais je dis « Je te connais pas. » Oui, mais tu habites dans le Morbihan, donc on peut se voir. Oui, mais c'est pas parce que j'habite dans le Morbihan qu'on peut se voir, tu vois. Et parce que pour moi, pour connaître quelqu'un, pour voir quelqu'un plutôt, je préfère passer du temps avec. Quand j'ai passé du temps, c'est jouer au jeu commun, voir comment il est, etc., etc., etc. Comme moi avec Jérémy, comme moi avec Gwen, comme moi avec Yanis. Et ensuite, on se voit comme ça a été prévu avec Gwen et comme ça a été prévu avec Jérémy. Mais du coup, j'ai connu parce que, disons que, il marquait plein de commentaires sur des vidéos du Breton du 56. Veux-tu venir chez moi? Je te connais. Mais moi, je te connais pas. Si, t'habites pas loin de chez moi. Mais même si j'habite pas loin de chez toi, je vais pas venir. Et après, du coup, ce qui s'est fait, c'est qu'on s'est donné nos pseudos, nos Facebook, je crois. Ensuite sur Facebook on a essayé de jouer à des jeux en commun comme par exemple Fortnite et autres, et on a appris à se connaître. Et ensuite on s'est vu d'ailleurs à la ma chaîne YouTube à la fête fan de Plarmel, pas cette année là mais je crois que c'était 2017-2018, un truc comme ça. Et là on s'est vraiment vu. Ensuite on est devenus potes. Après, il y a eu des histoires. Une histoire que j'ai pas aimée, du coup, je ne parlais plus. Ensuite, on est revenu une pote. Et là, pour l'instant, on redevient amis. On est amis. Pour preuve, on est amis. Hein. Les caméramans d'Anthony SFC et joueurs aussi. Donc, certains vont dire, ouais, mais il est nul en défense. Tu sais, chacun peut faire des progrès. Hein. Toi, quand tu as appris à marcher, tu t'es cassé la gueule plusieurs fois. Et maintenant, tu marches. Donc, voilà. Qui sont tes meilleurs potes? Alors, Mathis, Beber, bon, Brandon. En fait, j'ai pas de meilleur pote. Parce que ça sert à rien de dire, ouais, toi, t'es mon meilleur pote, et rendre les autres jaloux, tu vois. Moi, je dis que j'ai pas de meilleur pote. Mes potes, ce sont tous ceux de Anthony SFC, Gwen, Jérémy. Et Konya, même si Konya, je ne l'ai pas encore vu. Gwen, je l'ai déjà vu. Konya, je l'ai jamais vu, mais Jérémy, je l'ai vu en FaceTime. Et on va se voir. Donc, j'ai pas de meilleur pote. Donc, mes potes, c'est ceux du Anthony SFC. Et Gwen, Konya et Jérémy. Voilà. Et quel est ton rêve sur YouTube? Mon rêve sur YouTube. Disons que bon, un jour ou l'autre, de toute façon, j'aurai la YouTube Monnaie si je le veux ou pas, de toute façon, parce que je m'approche tellement vite 10 000 abonnés. Tellement vite, oui, en une semaine, on a pris 14 abonnés, donc pour moi, c'est vite. Pour moi, ce serait énorme d'avoir 1000 abonnés, et pourquoi pas faire des vidéos avec des YouTubeurs qui ont 10 000. Voire 5 000, 10 000 abonnés, et qu'on garde contact et qu'on s'amuse, et, etc. Tout en étant avec Gwen, Konya et Jérémy en train de toujours faire mes vidéos.
Mais sinon, mon rêve aussi, c'est... Je sais pas si c'est sur YouTube, on peut dire ça. Mais c'est d'un jour aller à la Paris Games Week, filmer ça, et voir mes youtubeurs préférés, donc Gamistress et d'autres youtubeurs que je kiffe. Comme ça, bah, y aura des photos, il y aura des petits vlogs, et etc., etc. Mais mon plus grand rêve sur YouTube, franchement, bah, j'en ai pas. À part continuer, 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 et prendre du temps pour monter un abonné que précipitamment et me planter. Voilà. Ensuite, on passe à Letza. Très bonne vidéo, merci à toi. Tes questions. Quel est ton jeu préféré? Ah, j'en ai plusieurs. Fortnite, Rocket League, Farm Simulator en ce moment, FIFA, mais il y a un jeu que j'aimais bien parce qu'il me servait énormément pour la conduite, c'est Euro Truck. Mais disons que mon volant, je sais pas, il veut pas d'Euro Truck, donc faut que je trouve un moyen. Mais sinon, ouais, c'est Fortnite, Rocket League, FIFA, Farm Simulator. Et GTA aussi, voilà. Quel est le setup de tes rêves? Il n'y a pas de setup de tes rêves. Bah disons qu'avec Matisse et Brandon, on voulait faire un grand local comme le Bouzeux, mais on a dit, ouais, il suffit qu'on amène du monde, ils payent pas. Surtout qu'on va prendre des vidéastes. Parce que j'aime pas dire youtubeur, on va prendre des vidéastes, ils auront peut-être pas d'argent. Donc non. Mais mon setup des rêves, de rêve. Franchement, c'est avoir un nouveau bureau et que sur PC, être que sur PC, avoir une nouvelle caméra, avoir un décor qui me représente, avoir un siège, parce que lui commence à être abîmé, mais un siège bien, un micro, même s'il est entre guillemets tout, bah oui, il est tout neuf, parce que, il a jamais été abîmé, avoir un beau micro, avoir un ordinateur de malade. Et puis c'est tout, voilà, c'est ça mon setup de rêve. Quel conseil as-tu donné aux autres youtubeurs? Alors, moi vous voyez, je prends le cas de JB, d'ailleurs sa chaîne est en description, n'hésitez pas à aller tous vous abonner en masse, ça fait extrêmement plaisir pour lui. En gros, si vous voulez, il a arrêté YouTube parce qu'il travaillait. Et pendant le confinement, bah avant. Je parlais vite fait de YouTube, je dis ouais, reprends, parce que t'es pas loin des 100 abonnés, t'es à la moitié, t'es à 50 abonnés, etc., etc. Il a repris. Et le conseil, je lui ai dit sur YouTube, je lui ai donné plusieurs conseils, je lui ai dit, fais ce que tu veux sur YouTube. De l'originalité, par exemple, tu fais Farming Simulator, bah, c'est ce qu'il fait en ce moment. Fais une série avec des modes, bah, fais une série que personne n'a vu. Ou différentes des autres. Alors quand je dis différent, bah, c'est comme la mienne qui va apparaître jolie. C'est pas la même map, pas le même mode, pas la même si, pas la même ça. Vous voyez des trucs comme ça. Ensuite, je lui dis, quand t'es en facecam devant ta caméra ou devant ton PC et quand tu tournes, imagine que tu parles à quelqu'un. Et moi, avant, ouais, j'avoue, j'étais, je bégayais. Puis les abonnés sont montés. Plus je me suis dit bon, on va parler tranquillement, voilà. Et puis récemment, j'ai changé de design de sa chaîne. Je lui ai dit bon, je te fais une bannière. Il m'a dit ok, fais-la. Je lui ai fait. Je dis change ton logo, change ta description et voilà. En gros, pour ceux qui viennent de commencer YouTube ou qui reprennent YouTube, c'est l'originalité. Le design de la chaîne, par exemple, bah, c'est la bannière. Si tu mets pas de bannière ou si tu mets une bannière, fais vite fait en 1 minute. Franchement. Ça sert à quoi de faire YouTube? Si tu fais que des vidéos où tu mets de la musique, quand je dis que de la musique, c'est-à-dire, par exemple, allez, on va dire, je suis sur le foot, ma chaîne, imaginons, c'est que du foot, que du foot, que du foot, que du foot. Tout le long du match, je mets de la musique. C'est ce que je faisais avant, oui, ouais, j'avoue. Mais après, je me suis dit, bon, allez, je vais laisser, ce sera mieux. Et bah, si je mets que de la musique, que de la musique, les gens vont faire, ouais, il se fait pas chier, il prend. Il filme, il enlève juste les bruits, il met de la musique. C'est pas un montage, ça. Qu'un montage, ça te demande 2-3 heures. Et quand je vois qu'il y en a qui font des accélérés et qui mettent de la musique, je me demande, pourquoi ils font YouTube en fait? Voilà.
Et enfin, à quoi une vidéo ensemble? Eh ben, il y a déjà une vidéo ensemble. Un vlog. Il y a eu la finale Bayern de Munich PSG que tu as tourné. Mais vidéo ensemble, franchement, là pour l'instant, tu vois, je peux pas avec mon travail parce que un coup je suis de l'après-midi et un coup je suis du matin. Mais moi, je voudrais bien faire des lives sur Rocket League. Mais si je suis tout seul, ça va vite m'ennuyer. Donc, en plus sur console. Donc du coup, bah, ça va être un petit peu débile si je fais des lives sur Rocket League tout seul. Bon, il y a aussi sur Fall Guys. Mais Fall Guys, ça m'amuse. Rocket League, je préfère taper sur toi. Mais après, je te dirai quand je voudrais faire un live, une vidéo avec toi. T'inquiète, sur Instagram. D'ailleurs, mon Instagram et tout ça sont en description. Ensuite, question de XX Dark Angel 125XX. D'accord. Que penses-tu de la gestion de la crise sanitaire Covid-19 aujourd'hui en France? Disons que, vous voyez, on a été confinés. Alors, c'est un petit peu, c'est une question logique pour moi, parce que je vais vous expliquer. C'est, on a eu le premier confinement en mars-avril, je crois, ouais. Et tout le monde râlait, ouais, un confinement, ça sert à rien, le virus sera toujours là. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Après le confinement, il dit port du masque obligatoire dans les lieux fermés, donc magasins, bars, etc., etc. Ouais, je vous jure. Une fois avec ma mère, on allait faire les courses. Et d'un seul coup, on voit quoi? Dans la zone du magasin, plein. Je vous jure, plein de masques par terre. Et après, ces gens, ils font « Ouais, mais faut pas mettre les masques par terre. C'est comme ça qu'il y a le Covid. » Mais mec, si tu mets ton masque par terre, tu veux pas savoir si t'as le Covid ou pas. Donc, même si t'as la flemme d'aller mettre à la poubelle, après, je veux bien que le masque, il tombe. Tu prends ton masque, tu l'enlèves, tu le mets dans ta poche et tu le mets chez toi à la poubelle. Ou dès que tu vois une poubelle, tu fais, tiens, une poubelle, je le mets dedans. C'est des fois à cause de ça, ou des fois à cause d'incapables, oui, désolé, d'incapables qui ne mettent pas leur masque, ou que les masques tombent, ou ils les jettent par terre, ou il y en a qui ne respectent pas la distance de sécurité, et autres, que le Covid remonte. Quand je vois qu'en Bretagne, avant le confinement, on n'avait pas beaucoup de... le deuxième confinement, hein, de cas, et bah directement, t'as plein de Parisiens qui sont montés. Et directement, bah tu vois le taux de Covid en Bretagne monter. Bref. Et penses-tu que ça va être fini d'ici peu ou que la crise va perdurer? Je vais pas vous foutre les boules, mais la peste a duré 7 ans. Et là, on va finir comme les Chinois. Ouais, pourquoi? Pourquoi comme les Chinois? Parce que soi-disant que la Chine était polluée, ça je veux bien, hein. Ça se voyait qu'elle était polluée. Bon, il y avait aussi des voitures électriques, c'est eux qui inventent les voitures électriques, mais la Chine est polluée. Mais disons que quand ton pays est pollué, tu mets pas de masques chirurgicaux, je suis désolé. Parce que ça c'est pour éviter ton postillon. Tu mets des gros masques, moi j'appelle ça les masques à gaz, là, où tu as les deux ronds de chaque côté, voilà. Quand ton pays il est pollué, tu mets pas ça. Donc pour moi, le coronavirus, et bah plutôt le Covid-19, la Covid-19, était là depuis longtemps. Les Chinois n'ont rien dit. Et ils ont réussi à lutter. Et il y a un moment, bah, le Covid-19 a multiplié x 6, x 9, x toutes les fois, tu vois, x 100. Et il a explosé dans le monde entier. C'est mon avis. Mais je pense qu'il va perdurer, qu'il va durer énormément, énormément, énormément de temps jusqu'à tout le monde comprenne que le port du masque est obligatoire, que ça ne sert à rien de jeter par terre, que faut désinfecter les mains partout où tu vas. Voilà. Mignon vert. D'accord. Ensuite, question de Mignon vert, je vais réussir. D'autres podcasts? Oui, d'autres podcasts, parce que sur mon premier podcast... le confinement, eh ben, vous avez fait, je vais voir ça, vous avez fait 124 vues,
Et sur mon deuxième podcast, Le Masque, vous avez fait 127. Donc, on a à peu près 208 et quelques. Et comme je m'amuse à faire ça, comme les vidéos, comme les autres, je me dis, pourquoi pas faire d'autres podcasts? Mais donnez-moi des idées de podcasts. Il y en a qui m'a donné une idée de podcast du genre les différents types de gamers. Ça, c'est pas bête. Je suis en train de travailler dessus pour voir comment je peux aborder ça. Vous voyez, parce qu'il y a Xbox, il y a Play, il y a Ordi, il y a Switch, il y a etc. etc. Mais il faut que je voie comment je peux faire ça en mode marrant. Charles Shups, tu travailles où? Bon, tout le monde me demande où je vais travailler. Je vais vous montrer. Bon, là où je travaille se trouve derrière cette porte. Donc on va aller voir direct. Attention. Voilà, je travaille ici. Salut. Je travaille ici. Ouais. Allez, on va refermer mon lien. Parce qu'il faut pas que j'ai froid pour travailler. Kick séquence, apprendre avec humour, bien sûr. Je travaille à un endroit, mais je vais pas vous dire où. Hein. Pour les curieux, même pour ceux qui veulent que savoir, je vous dirai pas où, parce que c'est la vie privée. C'est comme toi, je te demande combien de fois tu fais l'amour à ta copine. C'est la vie privée. Bref. Si t'as une copine, hein. Regarde pas mon pseudo. Bah, trop tard, c'est fait, mec. Salut. GG pour 700. Merci à toi. Question. Tu pourrais faire des lives avec tes abonnés? Oui. Alors, j'y travaille actuellement. Parce que, disons que je vais avoir les PP, mais ça, c'est compliqué, faut que je me renseigne. Mais sur Fortnite, oui. Farming Simulator, parce que je sais que j'ai une commis Farming Simulator. C'est possible. Sur Euro Truck, comme mon problème de volant sera réglé, oui. Bah, sur GTA aussi, oui. Sur Fat Guys, je sais pas, faut que je voie. Sur Rocket League, oui. En gros, bah, presque tous les jeux, ce sera oui. Mais quand vous voyez, par exemple, j'ai un truc. Un Farming Simulator live avec les abonnés, vous venez. Voilà. C'est pas compliqué. Ou Fortnite partie perso. C'est qu'on joue ensemble. Quand vous voyez partie abonné, partie perso, ou non, plutôt quand vous voyez partie abonné, désolé, ou partie perso pour Fortnite, il n'y a pas de souci où vous venez. Il n'y a pas de souci, c'est prévu pour les parties perso. Et je compte en faire, mais courant de l'année 2021. Vous en faites pas. Il faut que je programme tout ça déjà. Si mon problème de volant est réglé, ce serait juste énorme parce que j'ai envie de faire des convois avec vous. Jérémy, faire des convois, mais tranquille, comme ça on passe du temps ensemble, vous voyez. Sur mon Discord, d'ailleurs, petite info, le Discord maintenant, il est plein de descriptions. Pourquoi? Parce que le lien à chaque fois ne fonctionne pas. Donc du coup, si tu veux mon Discord, faut que tu sois là à tous mes lives. Et si tu veux mon Discord, tu mets Discord et je te file mon lien du Discord, voilà. JB, je suis fier de toi, ne baisse pas les bras. Et d'ailleurs, n'hésitez pas tous à vous abonner à sa chaîne YouTube qui est en description. Salut! Bon, salut à toi JB, je te connais pas, mais salut, attends, je rigole. Quel métier voudrais-tu faire plus tard? Là, je suis dans un métier que je voulais pas faire en fait. Mais je m'y plais. Mais le métier, si tu pars dans le passé que je voulais faire, c'était mécanicien. Oui, c'était mécanicien. D'ailleurs, que j'ai failli aller dans un lycée pro pour ça. Et au final, disons que il y a une époque, je pense que tout le monde a traversé, où c'était vachement cher. Internat plus lycée pour certains. Oui, parce que personne n'a les mêmes moyens que tous. Il y en a qui gagnent 3000 euros par mois, il y en a qui gagnent pas beaucoup, tu vois. Bref. Mais je voulais faire mécanicien. Et d'ailleurs, même si des fois, y a un problème dans une tronçonneuse, sur une voiture ou quelque part chez moi, je fais quoi? Je mets les mains dans le cambouis, vous voyez. C'est pour ça que je vais m'acheter une coccinelle, parce que maintenant, dans les voitures actuelles, t'as à peine du cambouis, sauf quand tu remplaces tes roues. Et dans les voitures anciennes, t'as du cambouis jusqu'ici, donc ça fait plaisir. Et moi j'aime bien bricoler, donc voilà.
Prochaine question, Flamme Cannelle. Si tu continues après 1000 abonnés, aimerais-tu atteindre les 5000 abonnés? Bah, comme tout le monde, je pense. Et déjà, si on atteint les 1000 abonnés, ce sera énorme. Mais après 100 000 abonnés, il me manquera plus que 99 000 abonnés. Je vais pas dire c'est impossible, mais c'est peut-être possible si je fais des vidéos originales, si je fais des concepts pas mal, des trucs comme ça, je pense, hein. Mais le temps nous le dira, le futur nous le dira, d'accord? Mais j'aimerais tellement, parce que à ce qui paraît, 100 000 abonnés, c'est un autre monde, à ce qui paraît. Evan Games, que ferais-tu après avoir obtenu les 1000 abonnés? Alors, qu'est-ce que je ferais? Alors, déjà, c'est prévu, il faut que je rappelle, faut que je voie avec 56 carats. 56 carats, c'est une personne que je connais via Discoboom. Et c'est un truc, bah, je vais pas dire un musicien, c'est un rappeur, pas connu, 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 il veut se lancer dans le rap. Et moi, je lui ai dit, quand j'aurai 1000 abonnés, est-ce que ça te tente de faire un son pour moi? Je te mettrai tous tes réseaux sociaux en description et en fin de vidéo. Est-ce que ça te gêne pas? Il m'avait dit oui. Alors, après 1000 abonnés, il y aura peut-être un son. Peut-être, pourquoi pas aussi, un défi. Ou pourquoi pas aussi, pour vous remercier, un concours. Je sais pas. Je verrai en tout cas. Vous en faites pas. Mais on n'y est pas encore, même si on se rapproche vite, 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 vite. Mais bon, bah c'est grâce à vous, donc n'hésitez pas à partager en masse toutes les vidéos, à vous abonner, à commenter, à partager. Parce que je suis allé voir dans les analytiques de mes vidéos, et la plupart de mes abonnés viennent des partages. Donc c'est grâce à vous, faut ne pas hésiter à partager tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'accord? Même les vidéos que vous n'aimez pas, vous les partagez sur vos réseaux sociaux et autres. Ok? Voilà. Donc j'ai répondu à toutes vos questions pour la FAQ des 700 abonnés. Il y en avait 9, j'en espère un peu plus. Mais bon, c'est pas très grave. C'était Antonitz. Ciao. Ciao.